Il est grand, il est fort, il est indomptable, c'est Guillaume Tell, le fils de la montagne. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce marteau? Tu t'es pris pour Thor, t'es pas Thor, tu es Guillaume Tell. Focus, Boris, focus. Au centre de cette place, je mets mon chapeau. Dorénavant, celui qui passera devant ce chapeau devra se prosterner, tête en terre, tête nue. Il est hors de question, je me prosterne devant le chapeau. Oui, mais s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Moi, si on me dit de me prosterner devant le chapeau, je me prosterne devant le chapeau, quoi. Me pensez tout, je veux pas d'ennui. J'obéis. J'habite dans le pays des avalanches, là où les chefs n'existent pas. Je veux que des tours se dressent ici, et puis là, et puis là, et grimpent jusqu'au ciel. Allez, bande d'incapables! Plus vite! Plus grand! Plus loin! Tu crois que c'est avec des bons sentiments que tu vas réussir à sauver le monde, ringard? Être un héros, c'est avoir des valeurs, c'est défendre des gens! Toi, personne ne t'aime! Nous sommes en direct de la place des Tilleuls. Le tyran Gessler, le sanguinaire, vient de faire son entrée sur la place. Arrêtez-le! Toujours en direct de la place, Guillaume Tell est maintenant encerclé de deux soldats armés. Bon, moi je vais vous dire, cette version, je l'aime pas du tout. Et puis j'en ai marre de jouer les méchants. Mais c'est toujours moi qui joue les méchants. Mais parce que t'as une tête de méchant. Moi, je rêve de voyager dans le temps, de rencontrer Ève et lire dans la tête des gens. Moi, je veux voir des étoiles filantes le soir.